soyez les bienvenus pour cette vente judiciaire consacrée à la bibliothèque de travail d'un architecte amoureux du livre. Je remercie M. Mirand d'avoir trouvé ce titre parce qu'il est très révélateur de cet ensemble de beaux ouvrages consacrés à l'architecture et les arts des jardins essentiellement. Nous serons donc accompagnés pendant toute la vente par M. Mirand, expert, par M. Burg, ici présent, qui est là pour sévir. Voilà, qui dit vente judiciaire dit qu'il n'y a pas de délai de règlement. Les frais sont légaux, il s'agit de frais de 12,55% en sus des enchères. Pourquoi 12,55%? Parce que nous appliquons la TVA sur les livres pour toute la vente, y compris les gravures. 12,55% TTC pour toute la vente. Je vous précise que si vous êtes sur la plateforme interenchère, vous n'avez pas de frais supplémentaires liés à la plateforme interenchère du fait du caractère judiciaire de la vente. Par contre, vente judiciaire sur ordonnance, ce n'est pas le cas sur votre plateforme concurrente. Je vous précise enfin concernant les expéditions et les retours de vos achats. Les lots 1 à 106 reviennent à l'étude dans le 9e arrondissement. Les lots d'après, qui sont rassemblés dans des caisses, vont directement au garde-meuble. Il se peut que vous ayez acheté dans la première partie de vente et dans la seconde. Dans ces cas-là, il y a des navettes organisées jusque dans le 9e arrondissement. Ce qui est sûr, c'est que nous ne nous occupons pas de ces expéditions et retours. Nous avons notamment la société Panam Service qui se tient à votre disposition, d'autres prestataires qui sont indiqués dans notre audition de vente, et vous avez un délai de gratuité qui vous est accordé jusqu'au 8 janvier inclus. Donc vous pouvez payer, enfin vous devez payer tout de suite après la vente, la réception du bordereau, mais vous pouvez vous organiser jusqu'au 8 janvier pour récupérer vos achats, sachant que la période de Noël, il y a 5 ou 6 jours de fermeture du garde-meuble. Donc ça vous laisse vraiment le temps de vous organiser pour récupérer les lots volumineux et donc ne pas râler auprès de Nicolas Barrettin. Ceci étant dit, si vous êtes en vente, vous réglez, vous donnez votre mode de règlement à M. Burg ici présent, avec vos coordonnées complètes. Et si vous êtes derrière vos écrans, vous recevez de manière très rapide, grâce à Dany Pierre, présente à ma droite, vos bordereaux. Et vous effectuez donc les règlements par carte bancaire à distance, virement, ticket restaurant, tout ce que vous voulez, tant que c'est dans un délai rapide. Voilà. Et les conditions légales pour les espèces, évidemment. Monsieur Mirand, à vous. Eh bien, merci maître. Bonjour à tous. Nous commençons avec le lot numéro 1, Endroit du Cerceau, le premier et second volume des plus excellents bâtiments de France. L'édition originale 1576-1579. Et on y joint trois volumes fragmentaires du même auteur. Et pour le lot numéro 1, nous commençons à 1000 euros.7000. Adjugé 7000.
Le lot numéro 2 du même objet du cerceau, donc un ensemble de 4 volumes, ce sont des réimpressions en vidéogravure réalisées par le photographe Édouard Balbus, 4 volumes. Et pour le lot numéro 2, nous commençons à 100 €, 120, 150 euros, nous sommes 150 euros, pour autant en charge de 150, pour le lot numéro 2, 150 euros nous sommes. À 120 euros, y a-t-il amateur à 100? C'est bien vu à 120, pas d'amateur à 120. 120, 150, 180. Pour 400, 200, 50, 250, 250 numéro 2, seulement monsieur. 250 euros, nous sommes. C'est bien vu à 250 euros, c'est pas seulement en salle, pas nous sur le live. Déjà 250. Ah, 250. Allez, j'ai 250. Le numéro 3, un ouvrage sur les jardins, aperçu et nous remodèle sur l'art de proposer, de distribuer et de décorer toutes espèces de jardins, publié à Bruxelles, 1829, ouvrage peu commun, 21 planches de jardin colorié. Et pour le lot numéro 3, nous commençons à 80 euros. 80 nous sommes, c'est pris à 80, je couvre ton cher de 80 euros. 100 ici, 120, 150, 180, 200. 200 euros, c'est face à moi. À 200 euros, c'est là. 20, 220. 50. 50. 300. 300 euros sur Interenchère. Attention, la salle est en place. 300 euros, c'est sur Interenchère à 300. Si vous s'arrête à 300. Non, 300 sur le live. C'est l'échauffement. À 300. 300 euros, nous sommes. 50. 50. 350. Nous avons été écoutés. 400. 400. À 400. C'est l'effet qu'on fait. Oui. 400 euros, nous sommes sur Interenchère plus en salle. Pas d'erreur, 400 euros. C'est lui à 400. C'est sur Interenchère. Jugé à 400. À 400. 400. Au 10,50. Le numéro 4 de Augustin Charles Davillère, cours d'architecture pour comprendre les ordres de Vignolles, édition de 1738, comprenant 163 planches. Oui, et pour le numéro 4, commençons à 100 euros. Regardez, on est ensemble. 100 euros. C'est pris à 160. 160, j'entends. 160, 180. 180, 200 près de nous. 50. 290, je crois. Oui, non, 300. Pardon, 300. Non, non, 300 euros, c'est en salle. 300 euros à part en charge, vous faites 10. 10. 310, j'entends. Oh, oui, si vous voulez. Si vous voulez, sur les petits montants, je veux bien. 20, 300, 20 euros à part en charge. 300. Aude. 320 euros. Alors, pas en salle, c'est sur un tarot cher. 320, et la salle, j'en viens vers vous. C'est bien vu à 320 euros. 320. C'est J'adjuge à 320. Adjugé 320. Au 10,03. Le numéro 5, Édouard Balbus, recueille d'ornements d'après les maîtres et fonctionnaires des 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Il se produit au denier marocain rouge. Où est-il? Merci. Avec ses rênes, 150 euros. À 150, allons-y. 650 en chair sur Drew Live, pas d'interenchère plus en salle. Merci. J'adjuge à 650. On est d'accord, hein. Non. 650 euros sur Drew Live. C'est bien vu à 650, j'adjuge. Adjugé 650. 8,047. Le même 8,047. Le numéro 7, Giuseppe Galli Vivienne, un petit tour, 1740, 6 folio.
Voilà, nous pouvons y aller. Et pour le lot numéro 7, nous commençons à 900 euros. 900 000, nous sommes. 900 000. 1000 euros. 1200. 1200. 1300. 1300. 1400. 1500. 1500. 1600. 1700. 1800. 1800, ça voulez-vous, monsieur? 1800. 2000. 2000. 200. Sur le live. 200. 200. 2200. 2300. Combien? 500. 500. 2800, monsieur? 2800. 2800, près de 3000. 3000. 3000 euros sur le live. 2200, monsieur? 200. 3200 en salle. 3200, on revient en salle. 3200 euros, l'achat est en salle à 3200. 3200, c'est bien vu, à 3200, c'est contre vous, Flo, à 3200. 300, s'il vous plaît. 3300 par un seul. On peut faire 400, s'il vous plaît. On peut le faire. 400. Et donc, on fait 500. 3500, nous sommes, on revient mal au centre. 600. 3600. 700. 3700. Oh, j'ai dit, c'était tout à l'heure. C'est une erreur. 3800. On aime bien ce genre d'erreur. Allez, 3700. Sur le conseil de M. Clark. 3800. 4000. Donc, à 4000. On s'arrête sur le chemin. 4000 euros, nous sommes. 4000 euros, nous sommes. 4000 euros, nous sommes. C'est ici. Merci pour vos enchères. Bienvenue, les adultes. 4000 euros. On entame une série de gravures fort rares. Donc là, il s'agit des. La première concerne la ville de Nevers, donc après la ville épique, peut pas étudier par Jean Boisseau en 1745. Celle-ci est montée et colorée, en coloris ancien. Et pour cette superbe gravure de Nevers, coloriée 67, comme on trouve à 200 euros. 200 euros. 200 suivants à 200. C'est pris à 250 à droite. 80, 300. C'est à droite à 300. 300 euros nous sommes. Pour votre enchère de 300 euros, monsieur ici, 20, 320, 50, contre vous. 350, c'est dans l'allée en salle. 350 euros nous sommes, c'est là. 380, 380, 400, et nous, c'est en salle, 400 nous sommes, 400 euros l'enchère est en salle, c'est bien vu, à 400, pas au téléphone, que nous sommes interrogés, pas bon, là, j'ai dû, 400 pour un premier achat, adjugé 400 en salle, merci pour vos enjeux. Le lot numéro 78, donc gravure de la même série. Il s'agit de la ville de Bruxelles. C'est l'édition publiée par Louis Boissevin, successeur de Boisseau, vers 1650. Donc, belle vue panoramique avec de grandes marges. Commençons à 300 euros pour le 78. 300 nous sommes. Vous votez en chaire de 300. 460. 460 contre vous sur un terrain cher. 480 en salle. 500, c'est Louise. 50, 600. En salle. 600 à terre en chaire. 50 en salle. 750. 750. Alors, 750, j'entends. Ne soufflez pas. Dites 800, ça ira mieux. Oui. 750, c'est sur inter-enchère. Louise, contre vous. 750 euros, inter-enchère. C'est bien vu à 750. 750, c'est sur 900. 800, c'est là. 900, inter-enchère. Ah, 900. Merci, monsieur. 900, inter-enchère. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. 900 euros, nous sommes inter-enchère. C'est bien vu. Sur inter-enchère à 900, Louise, ce n'est plus vous. Adjugé à 900, messieurs. À 900. Adjugé 900. Au 10, 15. 10, 15. Lot 79, même suite rarissime du Théâtre des Cités de Boisseau. Il s'agit de la ville de Copenhague, publiée chez Boisseau en 1644. Oui. Et pour le 79, commençons à 180 euros. 180 nous sommes et c'est pris. Couvre-toi en chair de 180. 200 ici, c'est contre vous à 200. 200 euros contre vous. En voulez-vous de la 200 ? 250. 250 euros au téléphone. Couvre-toi en chair de 250. 280 ici, en voulez-vous à 300 ? 300. 300 à faire en chair. Madame, 50. En voulez-vous à 400 ? 400, c'est près de nous. À 400. C'est contre vous, Chloé, contre vous, inter-enchère. 400 enchères est au premier rang à 400. 400 enchères est au premier rang, pas nous sur les plateformes. C'est bien vu à 400 euros, j'adjuge. Adjugé 400 au premier rang.